अपनी माँ का लाल है, बिन गोकुल गोपाल है। गोरा है रंग, गोरा है अंग, वो धूप संग बनके पतंग बादल से जंग करता है। चुटकी भर बरसात ना, Maman, Ishika, elle est dans la cuisine. Tiens, vite. Allez, un cheval après toi. Un cheval après toi. Cours vite. Cours. Tu étais prêt à tout pour me rendre heureux. Alors signe ce papier. Et tu as encore un mois pour réfléchir. Mais réfléchis bien. Petit à petit... ton père va commencer à m'accepter. Après tout, qu'est-ce qu'on a fait? On était tous deux d'accord. Et... bien heureux. Je suis certain que papa va finir par t'accepter un jour ou l'autre, Ishika. Très bien, alors demain matin... retrouve-moi au terrain de Darogabali à 11h30. Eh oh, Monsieur Gorelal, où êtes-vous? Je suis là. Bon, je suis toujours là pour toi, à chaque étape qu'il puisse y avoir dans ta vie. Et je sais déjà ce que sera mon premier pas. Maman, Ishika, elle est dans la cuisine. Tiens, vite. La surprise vous plaît-elle? Un nouveau mixeur et une cuisinière à gaz. Mais tout ça, qui est-ce qui l'a apporté et quand? Eh maman, ta belle-fille a porté tout ça avec l'argent qu'elle a gagné. Maintenant, il n'y aura plus de fumée qui te gênera. Et puis, tu ne te brûleras plus les mains. C'est génial, Ishu. Tu es vraiment intelligente. Mais tu ne nous as absolument pas parlé. Kanchan, c'est un secret entre mari et femme et on ne le dit pas à tout le monde, tu sais. Oh, pardon, pardon. Et vous n'aurez plus de blessures sur vos mains. Et vous n'allez plus souffrir en cuisinant. Sois bénie et heureuse. Oui, sois bénie, Ishika. Maman, j'ai encore du travail. Je reviens vite. Je vais vous montrer comment ça marche. Non, non, pas maintenant. Parce que si jamais l'apprenez, je vais avoir... Maintenant que moi je suis au courant, Shamsher va être mis au courant également. Ça va chauffer. Attends. Écoutez, maman. Même si papa le découvre, il n'y aura aucun problème. Ne vous en faites pas. Je vais m'en occuper.
Et Pourvi, où est monté? Pourvi! Mon uniforme est-il repassé? Pourquoi c'est si lent? Qu'est-ce que je vais faire? Que dois-je faire? Tu vas me répondre? Qu'est-ce que je vais faire? Tu as brûlé mon uniforme. Non, Ranvir. Non, non, Ranvir. Je vais vous montrer, regardez. Par ici. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai déjà dit clairement que tu ne peux pas utiliser ces choses-là. Tu sors immédiatement. Une minute, maman. Pourquoi elle ne pourrait pas, dites-moi? J'ai acheté tout ça avec mon propre argent. Ton propre argent? D'où vient cet argent? J'ai eu cet argent grâce à vous. Ce sont vos amis et collègues qui m'ont donné cet argent. Ils m'ont donné leur bénédiction. Alors j'ai couru acheter tout ça pour maman. Kamla. Vous voyez, maman, je m'occupe de tout. Tu as acheté tout ça pour moi? C'est trop gentil de ta part. Mais qu'est-ce que tu as acheté pour toi? Mais ils sont devant vous. En fait, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Bien, c'est fait, Pourvi. Toi, tu as décidé de fermer les yeux. Mais comment puis-je l'ignorer? Tout ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas ignorer. Prends ce médicament. Il va sûrement atténuer ta brûlure, mais il ne va jamais guérir ton cœur brisé. Vas-y, prends-le. Sonne à la porte. Kamla, je crève de faim. Sers-moi à manger. Oh, Kamla est encore très occupée. Elle est en train d'apprendre des nouvelles choses avec sa belle-fille Ishika. Sa belle-fille Ishika a une nouvelle cuisinière et un mixeur. Notre Kamla et sa belle-fille Ishika sont toujours ensemble ces jours-ci. Donc elle n'a plus de temps pour s'occuper de toi. Mais ta sœur aînée est toujours là pour toi. Et je vais bien prendre soin de toi. Vas-y, mange maintenant. Je ne veux pas de ça. Et je n'en ai pas envie. On me provoque, là. Chez moi-même, dans ma maison. Mais je n'y peux rien. Pourtant, j'ai envie de les punir toutes. Mais quelque chose me retient encore ici. Calme-toi, Shamshir. Laisse-moi alors m'occuper de la maison. Être responsable. Je m'occuperai de tout. Tu te concentres juste sur ton travail. C'est parfait, Bur. Faisons ça, s'il te plaît. Si notre marché de 11 heures est conclu, nous irons ensemble, tous les deux au temple. C'est toi qui vas m'y accompagner. Je m'en vais. Eh bien. Béni soit le Tout-Puissant alors et béni soit moi.
La chambre où sont installés mes beaux-parents n'est ni un stockage, ni un garage. Et sachez que la moitié de cette maison est à moi. Cette chambre est donc à mes beaux-parents. Pas votre stockage. Si vous essayez encore de vous emparer de quoi que ce soit, alors vous subirez ma colère. Et je vous promets que je vais vous traîner en justice jusqu'en prison. Le frère de Ranvir a été recruté dans les forces de police récemment. Donc vous voyez, j'ai beaucoup de contacts. Je peux vous anéantir. Alors la prochaine fois que ça vous vienne en tête, faites tout de suite marche arrière en voyant la serrure. J'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai dit. Maintenant, cette pièce est une zone interdite. Pour vous tous. Seuls les parents d'Ishika pourront passer par cette porte. Est-ce que c'est bien clair ? C'est Ranvir qui a fait ça? Pourquoi est-ce que tu tolères tout ça? Tu sais bien que tu as tout le droit de t'en plaindre. C'est atroce ce qu'il t'a fait là. Et t'as encore le temps. Ovi est ma fille. Et ça ne te regarde pas. Tu possèdes une partie de la maison. Mais tu ne possèdes pas tout. Je m'occupe de ma fille. Parce que cela, ce n'est pas du tout. Tes affaires, est-ce que c'est clair? Les femmes de cette maison souffrent trop. Parce que vous avez décidé de vous plier devant tout ça. Vous avez préféré ne rien faire face à tout ça et vous taire. Ça s'est produit depuis longtemps maintenant, mais tout ça peut changer. Et ça radicalement. Vous devez y penser. Si vous changez d'avis, laissez-moi savoir. Très bien. Je t'ai dit 11h30. Et tu es très ponctuel. Je le tiens de toi, papa. Mais de quoi est-ce que tu voulais me parler ? Donc tu m'avais dit que tu m'aimais beaucoup et que tu étais prêt à tout faire pour me rendre heureux. Oui, papa. Tu dois donc réaliser mon rêve depuis toujours. Deviens officier. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu ta langue tout d'un coup? Tu étais prêt à tout, pour me rendre heureux. Alors signe ce papier. Vas-y. Écoute-moi d'abord, avant que tu ne dises quoi que ce soit. Tu as fait ce que tu voulais jusqu'à maintenant, et tu vivais comme tu veux. Que ce soit tes études à l'université, ou l'amour, le mariage. Oui, pour tout. Tiens, signe s'il te plaît. Je te donne un mois. C'est bien, je comprends que tu sois en plein dilemme. Signe-le. Mais tu as encore un mois pour y réfléchir. Viens là. Viens avec moi. 5, 6, 7, 8. Tout le monde, à vos gardes, top! Repos. Je vous présente mon fils, Rupendra Singh Vaghela. Sais-tu que depuis ton enfance,
Je rêve de te voir t'entraîner avec d'autres cadets. Et ces cadets seront affectés comme officiers de police plus tard et protégeront toute la ville. C'est une grande responsabilité. Entraînez-vous avec vos forces. Et concentrez-vous seulement sur votre plus gros objectif. Oui, monsieur. Dis-moi, qu'est-ce que vous voulez manger? Boulettes de pâte et du pudding. D'accord. Bon, on va commencer par préparer la pâte. Ensuite, on va faire le dessert. Mais qu'est-ce que tu veux manger, toi? Je mange tout ce que vous préparez. Très bien, alors. Ma tante, s'il vous plaît, venez ici. Mais entrez donc. Attendez. Oh. On dit que le premier lait bouilli sucré est pour l'aîné. Et vous êtes bien l'aîné dans notre famille. Alors je vous donne ceci. Et je vous demande de me donner vos bénédictions. D'accord. Je vais vous servir à tous aussi. Non, je n'ai pas de bénédiction pour toi. Par contre, il va falloir que je fasse quelque chose pour contrer ce mauvais présage. Regarde, c'est là qu'il s'entraîne à tirer. Non! Tu l'as juste raté. Mais je suis certain que mon fils ne le ratera pas. Je n'en doute pas du tout. Parce que... il a obtenu une médaille. À une compétition de tir à l'école militaire. Allez, montre-leur. Rupendra!
Est-ce que ça va? Hein? Eh, réponds-moi, mon fils, est-ce que tu t'es fait mal? Non, papa, je vais bien. Merci, merci les messieurs. Allez, ce n'est pas un terrain de jeu. Allez. Mon fils, il est un vrai policier. Oui. Waouh! Votre fils est incroyable, monsieur. Il est vraiment courageux et fort. Il est exactement comme vous nous l'avez décrit. Il ne peut qu'être officier. Écoute, Rupendra. Tu as toutes les qualités requises pour devenir un inspecteur. Et je pense que... tu devrais t'orienter vers ça. Parce que tu es né pour le devenir. Parce que tu es mon fils, le fils de Shamsir Singh Waghela, un grand officier de police. Et je suis certain que tu atteindras le sommet. Mais il te reste un mois pour décider. Donc réfléchis bien, mon fils. Mais apporte-le-moi, il est devenu fou, lui. Pardonnez-moi, monsieur. J'ai toujours gardé un œil sur lui. Mais il est agité depuis ce matin. Animaux ou bien humains, on doit toujours garder un œil sur celui qui est proche de nous, en fait. Parce que c'est uniquement ainsi que vous pourriez savoir ce qu'il va faire. Hmm? Papa, je vais y aller. Au revoir. Au revoir. Eh bien, Rupendra avait raison, oui. C'est vrai alors que je devrais garder un œil sur Anvir.